Bonjour à tous, c'est Montalo. Bien écoutez, on va se faire une petite course là sur le circuit d'Houlton Park, histoire de découvrir un petit peu ce circuit. J'ai roulé un petit peu dessus et c'est quand même très très compliqué, quoi. Il est complexe, il faut vraiment maîtriser la trajectoire pour essayer de performer un petit peu dessus, ou en tout cas performer, c'est un grand mot, mais au moins se sentir à l'aise et prendre du plaisir à rouler dessus, quoi. Mais c'est pas... J'avoue que c'est pas mon préféré, mais parce qu'il est, il est vraiment difficile, quoi. Allez, on va lancer la course. Il y a 10 minutes de qualif. 10 minutes de qualif. Les qualifs seront à 17h et la course sera à 18h. Allez, c'est parti. Hop là, 24 concurrents. L'IA est à 90 avec 50 de talent. Alors, on est. Hop, on va charger le setup. Boum. Allez, ouais, 12 litres, même. Qu'est-ce que je dis? On a 3 tours à faire. Ça fera 6 litres, c'est bon. J'ai presque envie de. Non, je vais rien toucher. Allez, juste un petit plus. Voilà. Allez, c'est parti. 10 minutes de qualif, on y va. Alors, c'est un circuit qui est extrêmement piégeant. Les gommes sont froides, on va pas s'affoler. Normalement ce virage passe en quatrième, on accélère ici. On rétrograde en deuxième. Première chicane. On se dirige vers la deuxième chicane. Sortie ici, vraiment difficile aussi. Allez, à fond. Virage très dangereux ici. Bien le prendre. Hop là. Des pneus froids, ça glisse. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. On mord un peu, on relance. Eh ouais, j'ai loupé. Cafouillage. Ah
1040. Allez, on a gagné un peu de temps. J'aurais pas dû freiner tant que ça. Ce virage est terrible, vraiment terrible à passer, quoi. Elle est timide là. Non. On a récupéré la voiture, on a perdu une demi-seconde. Et voilà, c'est mort. Allez, c'est pas grave. Drapeau bleu. Ah, c'est dommage, c'était un beau tour. Ah, pour l'instant, on est 7ème au calibre. Eh ben, tu verras quoi. On continue. À taper. Neuvième. Allez. Deuxième, au calif. Ah là là là, très 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 difficile.
car on the left. Clear on the left. Ah, je les laisse passer en plus vraiment à l'endroit où il faut pas, quoi. Allez, c'est pas grave. On va retourner. Non, on va continuer à rouler un peu, histoire de s'entraîner. Finalement, ce virage, je passe, enfin, avec la Ferrari, je le passe plutôt en première, finalement, qu'en deuxième. Ah bah, là, je vais peut-être pas m'arrêter non plus. 12e au tableau. 9 secondes de qualif. Hop, 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 hop. Allez, 3 secondes, ça va s'arrêter. Ok, temps max, voyons voir ça. Je m'arrête carrément au milieu de la piste, il y a une voiture derrière moi. Terrible. Terribles images. Ok. Bon, 12e pour l'instant. Bah écoutez, c'est pas trop mauvais par rapport à ce que je faisais auparavant. C'est pas trop mauvais. Il faudrait pas que je surconduise en fait. Hein. Je vais essayer de garder mon rythme tranquille, quoi. Voilà, sans trop s'affoler. 13e. Ça risque de descendre hein, dans les temps. Dans le tableau d'ici les 2 minutes 30 passées. Allez, on est parti sur le circuit d'Houlton Park. Là, cette fois-ci, c'est la course. Stay double file. J'ai augmenté la pression des pneus. Parce que ça me semblait un petit peu froid. Allez, 13e sur 24. Allez, départ imminent. Green light, green light. Go, go, go. Car on the left. Clear on the left. Allez, on essaie de faire un départ propre. Dans le respect. Clear on the left. Car on the right. Il est sorti là, j'en ai profité. Ah là là, non, car non, 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 non. Clear on the right. Sont très délicates, surtout la sortie là. Allez José, on y va. Push, push, push.
Allez, on recolle. Belle sortie. Ah, je suis presque arrêté là, pourquoi pas. Hein. Mais c'est pas vraiment l'objectif. Ne sort pas. Allez, ça tourne quand même pas trop mal. Troisième. Non, décidément. J'ai eu de la chance. Hein. Je protège rien du tout de ces morts, putain, c'est pas vrai. Oh là là là, la sortie. Allez, on y retourne. Car on the left. Clear on the left. Allez, il faut terminer cette course. C'est quand même pas énorme. Et voilà, le stress après, faut pas se louper. Car on the right. Clear on the right. Allez, ça sort bien.
Ça devrait passer plus vite, hein, tout ça, là. On regagne du temps. Oh, ça rentre bien vite, là, dans la chicane, évidemment, trop vite. Ah, la bordure, elle est terrible. Allez, troisième, ça doit y aller. Celui de derrière recolle un peu. Ah, les pneus sont chauds. Trop chaud. C'est pour ça qu'elle a tendance à survirer. Mes pneus sont trop chauds. Ah, il va pas. Il m'a pas épargné, hein. Je freine trop tard. Allez, je vais redescendre après un peu en température. 27,7 à l'avant. 7,5. Allez, on essaie de passer la troisième. Voilà, sans freiner. Allez, dernier tour. Avant, hein. Quel mauvais passage, terrible aux images. Alors lui, je l'ai carrément empêché de passer. Allez, on va au moins essayer de conserver cette position là. Même si c'est pas brillant, elle mérite d'être là. Et voilà. Avec les belles couleurs, magnifique. Magnifique, magnifique. Et ben voilà les amis.
Ouh. Très très dur. Vraiment très dur. Ah, ça te fait faire. Ouais, je sais pas ce qu'elle avait. Elle avait l'air de survirer alors que j'ai fait des essais. Ça marchait bien. Ça marchait bien, voilà. Sans se filmer, sans faire de vidéo, etc., etc. Peut-être moins de stress, plus concentré et tout ça. Et aussi plus de pratique parce qu'il faut vraiment rouler, il faut vraiment faire des tours. Mais bon, en tout cas, c'était super sympa, quoi. J'espère que ça vous a fait passer un bon moment. Je vais quand même aller regarder les temps. Hop. Voilà, les temps. Ouais, une 54, une 40, une 40, 158. C'est le meilleur temps que j'ai fait, quoi. Alors que j'arrive à tourner en un tout petit peu moins qu'une 39, quoi. Voilà, et encore, c'est pas non plus 10 tours d'affilée à ce rythme-là, quoi. Ouais, c'est super sympa, quoi. Franchement, c'est génial. Ce circuit est magnifique, mais il est hyper technique. Tout est compliqué, la piste est étroite, on sait pas trop où doubler, il y a des opportunités, il y en a qui se cassent la figure, qui sortent, la moindre bordure qu'on prend de trop, elle peut vous emmener vers l'extérieur, le gazon, l'herbe et tout ça, enfin bref, c'est vraiment vraiment chaud, quoi. J'ose même pas m'imaginer les pilotes qui font des enduros de 2h, 3h là-dessus, c'est juste infernal, quoi. Ok les amis, et eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation, laissez vos commentaires, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous intéresse, c'est gratuit. Ok, allez, à plus, ciao ciao.